débarque les mains dans les poches, j'peux jamais mal habillé. J'vais t'en faire voir de toutes les couleurs, si j'vois pas celle de mes billets. Du hublot j'te vois galérer à piller. J'suis là pour rappeler toi pour te faire oublier. Ça tourne. Moi c'est Kenzie, Elle Produx, Bigz Family. Dans l'équipe, je fais les instrus avec Maspi et Philou. Moi, c'est Double Z. Moi, j'écris les textes, je rappe avec les potos, Bigz Family. Ça, on est tous de Mérin. On s'est rencontrés plus ou moins à l'âge du cycle, comme ça. Après, chacun s'est mis un petit peu à faire du son de son côté. Les amitiés, le son nous ont rapprochés quand on a fait... On a formé le groupe Bigz Family, on s'enregistre nous-mêmes. On fait tout nous-mêmes, les clips aussi. Après, justement, Kemar il fait pas mal d'instru, c'est assez éclectique en fait, il y a pas mal de délires variés. Ce qui fait que la palette est assez large et il y en a pour tous les goûts un petit peu. Moi je suis dans ma bulle, dans mon sud et je fais mes trucs. Ça peut prendre 2 jours, comme ça peut prendre 5 minutes. C'est comme moi, ouais, c'est comme pour écrire un texte, je veux dire, des fois tu peux... Par exemple pour moi, je peux aussi bien en faire un en 1 heure. Il y en a un que j'ai passé une semaine dessus, genre ça se contrôle pas quoi. Ouais, on a fait des petites scènes déjà sur Genève, à l'époque surtout. On avait fait l'effet de la musique. On avait fait la première partie d'Arsenic à l'Undertown là ici à Mérin. Ouais, c'était stylé. Très, très chaud d'ailleurs, c'était cool. Enfin voilà, on s'est produit 2-3 fois à l'Under, mais c'était toujours il y a pas mal d'années. Depuis, en fait, il y a eu une espèce de creux de 2-3 ans où on n'a plus rien ressorti. Et là, ces 2 dernières années, on s'y est remis à fond. Et maintenant, on travaille pour revenir et on va regarder justement s'il y a moyen d'organiser des scènes. C'est en même temps où on prend vraiment beaucoup de kiff. Donc c'est clair que si on a la possibilité de monter sur la scène, on va y aller, quoi. Sinon, actuellement, on a lancé un délire, enfin plutôt que Marc a lancé ça, qui s'appelle Les Solderies. Chaque mercredi, il y a un clip qui sort où un MC de Genève rappe sur une instru de Elle Production. C'est un petit clip comme ça d'une 2 minutes. Chaque mercredi ça sort. Là c'est l'actu principal qui est en ce moment quoi. On en a déjà sorti 3. Il y a celle de Chita qui est sortie mercredi dernier. La vie en casse-tête, j'admire un tas de frères et sœurs, gravir des échelons, même en panne sèche et seul, la mine de travers, ennemi au passé. On s'allie, on te l'a dit, on arrive en compagnie, ils y verront de la perle pendant des heures. Rares sont les sons qui trépassent, je te le rappelle.